Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la première ABC que je viens de faire. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé aussi. J'ai utilisé notamment les nouveaux marqueurs Mixcolor Markers là, de chez Action. Donc ils sont le même principe que les caméléons si j'ai bien compris. Enfin, je connais, enfin les caméléons j'ai déjà vu mais je ne les connais pas donc je ne pourrais pas comparer. Le fond est fait à la gel press, j'ai quelques tamponnages, j'ai des dies de chez Sizzix que j'ai trouvé chez Cultura. Et voilà, donc il y a vraiment du matériel qui vient un peu de divers endroits et de diverses marques. Alors, tout d'abord, donc ce tampon-là, donc qui est mon objet principal, on va dire, de la création, c'était ma base, c'est à partir de ça que j'ai fait tout le reste. Donc ça provient d'une planche de tampon voilà, qu'on trouvait chez Action, alors je crois que c'était l'été dernier. Alors, je suis désolée, voilà, il y a un peu de reflet. Donc j'ai utilisé... Non, ça c'est n'importe quoi. ça c'est les tampons qui sont là, les petits glaçons et les petites lunettes. Non, même pas, que les lunettes. Les lunettes viennent de cette planche-là, je vous dis n'importe quoi. Le verre, il vient de ça. Donc de cette planche-là, ben, je crois que c'était l'année dernière aussi qu'on l'ait trouvé. Donc j'ai utilisé celui-là, j'ai tamponné sur une feuille de papier les blocs qu'on trouve maintenant chez Action. Où il y a un certain nombre de pages pour les feutres à alcool. Et donc voilà, c'est celui-là. Donc j'ai coupé une feuille donc, de ce bloc-là, côté alcool. Et j'ai tamponné sur ma presse à tampons et ensuite donc j'ai fait la colorisation avant de coller dessus en mettant un petit peu en relief avec de la mousse. Donc la colorisation j'ai fait avec donc, divers feutres donc qu'on trouve maintenant chez Action. Alors j'ai trouvé toutes les boîtes, j'ai pas fait de haul parce que ces feutres là non je crois pas que je les ai fait dans mon dernier haul. C'était parce que j'avais pas grand chose donc je trouvais pas intéressant de faire voilà, une vidéo pour les boîtes de feutre et puis deux petits trucs à côté. Donc quoi qu'il en soit, bon, j'ai trouvé toutes les boîtes, j'ai utilisé divers feutres hein, de ces boîtes là. Donc pour la colorisation, voilà, je suis partie d'abord du bas du verre et je suis remontée donc vers le haut hein, avec je sais pas quelle couleur c'est exactement, une espèce de violet bordeaux, la prune, je sais pas trop comment dire. En remontant vers du jaune, donc ça fait un mélange un peu orange entre les deux. Et après je trouvais que c'était pas assez clair en haut, j'avais mis trop de couleurs foncées. Et du coup je suis revenue juste avec un autre jaune un peu plus clair encore, je suis passée dans l'autre sens en fait, du haut en descendant un petit peu vers le bas. Et du coup voilà, j'ai bien aimé le mélange que ça faisait, même si on voit encore un petit peu les traces au milieu. Mais au final on dirait que c'est un peu le liquide qui se mélange, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, donc voilà, le boisson, cocktail, aux fruits, etc. J'avais envie de rajouter des petits fruits que j'ai eu dans la planche voilà, de tampons que j'ai trouvé à Cultura à moins 70% là, pendant les soldes. Donc là, c'est pareil, j'ai pas fait de haul parce que j'ai trouvé trois ricoles vraiment qui m'intéressent. Il y avait beaucoup de choses, mais moi ça m'intéressait pas. Donc voilà, c'est pas acheter pour acheter. C'est pas parce que c'est à moins 70% que je vais acheter. J'ai pris juste ce qui m'intéressait. Donc j'ai pris ces petits fruits. Et donc j'ai mis la pastèque, la banane, la fraise et un kiwi. Alors le kiwi, par rapport au dessin qu'on voit là, il y a des petits triangles. C'est des coupes là en fait qu'il faut couper en deux et coller. Moi franchement, j'avais pas envie. J'ai pris un stylo et j'ai simplement fait des petits traits tout autour. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, pour alors le fond, je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus, je l'ai fait avec la gel press. Hein, c'est une des feuilles, un des tests que j'ai fait en vidéo avec vous il n'y a pas longtemps. Donc c'est une découpe de cette feuille-là. Voilà, j'ai juste coupé les dimensions qu'il me fallait. Alors je suis partie d'abord sur la base de 8 par 20 et puis après j'ai déchiré les bords pour poser donc sur mon rectangle jaune, papier cartonné jaune. Je trouvais que ça faisait plus sympa que des bords tout droits en fait. Et donc après j'ai tamponné donc, les petits glaçons de cette planche là, cette fois c'est la bonne, voilà celui là je l'ai tamponné à divers endroits, les petites lunettes donc, de la planche qu'on a vu tout à l'heure. Et mes petits fruits, etc. J'ai rajouté quelques énamel dots par-dessus. Alors, certains pailletés, d'autres non. Et puis, alors, il manque juste un petit mot. C'est un petit yellow que j'ai sur une planche. J'ai complètement zappé. Je viens de m'en rendre compte là en vous filmant la vidéo. Donc, je vais tamponner 2-3 petits yellow comme ça, l'histoire d'avoir un petit mot, un petit sentiment. Au dos. Donc, alors, je cache juste mon adresse. Si, bon, c'est pas... Enfin, voilà. J'ai pas envie que tout le monde puisse l'avoir. Donc, j'ai fait avec les stylos...
des stylos gel en fait. Donc j'ai marqué en haut, j'ai laissé la place pour le timbre, en dessous j'ai marqué mon adresse et puis donc ma petite citation. Voilà pour ma petite ABC, la première. Et donc voilà, le petit truc pour vous, puisque bah, la base des ABC, donc bah, c'est l'échange, hein, un peu comme les ATC. Donc même si moi j'en ai fait quelques-unes pour moi pour m'entraîner, des ATC, mais là voilà, ma première ABC, bah, j'ai vraiment envie de l'échanger. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour les personnes, pour voilà, si vous souhaitez... recevoir cette petite ABC, donc enfin petite, la taille normale, hein, cette ABC et puis quelques bricoles que je vous rajouterai dans l'enveloppe bien entendu, hein, je ne vais pas envoyer que ça comme ça. Eh bien laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo en disant je suis intéressée ou faites ce que vous voulez pour dire que voilà l'ABC vous aimeriez bien la recevoir. Et puis bah, simplement, donc là aujourd'hui on est le 12 juillet, eh bien on va dire, allez on va laisser jusqu'à dimanche, jusqu'au 18 juillet, pour vous laisser mettre les commentaires sous cette vidéo. Et donc les personnes intéressées, bah, je ferai un tirage au sort très certainement lundi prochain, le 19 juillet. Et donc j'enverrai la carte à la personne qui aura été tirée au sort. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, bien entendu. Merci, j'ai pas remercié d'ailleurs en début de vidéo toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Suite au dernier haul action que j'ai fait, j'ai eu, je crois, pas loin d'une trentaine de nouveaux ou nouvelles abonnés. Donc, ça, vraiment, je vous en remercie vivement. J'espère surtout que le contenu vous plaira. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.